Charme na ye poteja kanga lokola li chome na kuvese okomi singa lokola rescapa naufrage titanique kolina na ye diama Gisele umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alina kana bondela kai lokola bébé ya et moi. Kila mwana na pesa kinga mumi ya suwa yeteo paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya jama Gisele umba na natubye yo monamu. Merci Gisele umba jama nwa. Oui Emmanuel, moi j'ai été accusé de diffamation. J'ai été invité un certain 16 septembre au parquet général pour la cour d'appel de la Vendée. J'ai été auditionné le même jour, confronté au plaignant le même jour, mis sous mandat d'arrêt provisoire et transféré le même jour en fin de journée à la prison centrale de Makala. Vous constatez qu'il y a eu célérité dans mon affaire. Mais pendant que nous étions devant le magistrat, les plaignants, pendant la confrontation, lors de la confrontation, les plaignants ont dit que je souffrais d'amnésie passagère. J'ai demandé que cela soit acté dans le procès verbal de confrontation. Ça a été acté. Mes avocats ont demandé au magistrat de se saisir d'office. Il ne l'a pas fait. Mais par la suite, je crois 48 heures plus tard, j'ai porté plainte contre M. Mwanateba pour diffamation. Et c'est acté. Et c'est acté dans le procès verbal. Je crois, moi je ne suis pas juriste, diffamation ou imputation dommageable, qu'importe. Toujours est-il qu'il avait porté, il y a eu des propos qui ont touché à ma personne, qui ont porté atteinte à ma personne. 48 heures ou 72 heures, tout au plus tard, j'ai porté plainte. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes les frontières, nous sommes les premiers. Disons que je porte la plainte le 20 septembre par là. Donc ça fait plus d'un mois que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Jamais mon avocat n'a été appelé, jamais moi-même, pour une quelconque audition au niveau du parquet. Plus d'un mois, plus d'un mois. Il y a une justice à deux vitesses, c'est clair. Une justice pour ceux qui sont au pouvoir, avec Félix Tshisekedi en tête. Et il y a une autre justice pour nous, les opposants. Et maintenant, le dossier se trouve dans quel niveau? Mais c'est au niveau du parquet. Il faut poser la question au parquet général, que la cour d'appel de Gombe. En ce qui concerne Moukeba, le parquet agit avec célérité. J'ai été invité, j'ai reçu l'invitation le 13. J'arrive le 16. Je suis présenté le même. Qu'est-ce que vous reprochez le parquet? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que moi, en ce qui me concerne, il y a eu célérité? Vous en rendez compte? Et devant le magistrat, les plaignants commettent aussi un délit contre moi. D'ailleurs, le magistrat, s'il était indépendant, il aurait dû s'en saisir d'office. Il aurait dû, parce que c'était devant lui. Tout à fait. Non! C'était devant lui, il devait s'en saisir d'office. C'est ça. Ouais. Il ne l'a pas fait, tu peux comprendre toi-même. C'est qu'elle a compris. Oui, tu peux comprendre toi-même. Mes avocats, par la suite, ont porté plainte contre Daniel Mwanateba. Et à ce jour, rien n'a fait. Plus d'un mois. Daniel Mwanateba n'a jamais été interpellé. Plus d'un mois. Et chose grave, je ne suis pas juriste au juriste de vous expliquer ça. L'affaire est inscrite sous RI. Registre d'information. Non, registre d'information, c'est quand il y a une dénonciation. Et on fait venir les suspects pour l'entendre et vérifier la dénonciation. Ici, ce n'est pas une dénonciation, c'est une plainte. Fragrance. Et les faits sont d'abord, c'est fragrance. C'est flagrant et les faits sont précis. Donc, il n'y a pas inscrit ça sous registre d'information. C'est sous RMP, registre du ministère public, directement. Vous vous rendez compte? C'est cela. C'est cela. Mais vous allez entendre le genre pérorer partout. Non, état des droits, état de droit. Mais l'état des droits, c'est la justice. Hein.
L'état de droit signifie quoi? Si les gens ne comprennent pas ce que c'est. Quel est conseiller? L'état de droit. Quel est conseiller que tu peux prodiguer les nouvelles autorités? Je ne suis pas leur conseiller, Emmanuel. Non, quel est le conseil? Non, je ne vais pas leur prodiguer le conseil, je suis un opposant. Oui, en tant qu'opposition, tu as un conseil. Non, je leur dis simplement que l'état de droit, s'ils ne le savent pas, je leur dis que l'état de droit signifie tous égaux devant la loi. Ok, merci. C'est ce que je leur dis. L'état de droit signifie tous égaux devant... Donc moi, Moukébaï, si tu me poses la question, je te réponds, Emmanuel, il n'y a pas d'état de droit en République démocratique du Congo. La preuve, elle est où? Moi, je suis traité avec célérité, envoyé à Makala, très vite. Et moi, je porte plainte, les bonhommes, sur qui librement. Et dossier de votre collègue, Dolé Makambo, quelle est votre réaction? Bon, ça, j'ai déjà réagi, mon communiqué. Là, c'est fait. Okay. J'ai déjà donné ma réaction. Okay. C'est vraiment clair. Claire, okay. Maria. Je vous remercie. Ok. Oui, Emmanuel. Moi, j'ai été accusé de diffamation. J'ai été invité un certain 16 septembre au parquet général pour la cour d'appel de la Vendée. J'ai été auditionné le même jour, confronté au plaignant le même jour, mis sous mandat d'arrêt provisoire et transféré le même jour en fin de journée à la prison centrale de Makala. Vous constatez qu'il y a eu célérité dans mon affaire. Mais pendant que nous étions devant le magistrat, les plaignants, pendant la confrontation, lors de la confrontation, les plaignants a dit que je souffrais d'amnésie passagère. J'ai demandé que cela soit acté dans le procès verbal de confrontation. Ça a été acté. Mes avocats ont demandé au magistrat de se saisir d'office. Il ne l'a pas fait, mais par la suite, je crois 48 heures plus tard, j'ai porté plainte contre M. Mwanateba pour diffamation. Et c'est acté dans le procès verbal. Je crois, moi je ne suis pas juriste, diffamation ou imputation dommageable, qu'importe. Toujours est-il qu'il avait porté, il y a eu des propos qui ont touché à ma personne, qui ont porté atteinte à ma personne. 48 heures ou 72 heures, tout au plus tard, j'ai porté plainte. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes les frontières, nous sommes les premiers. Disons que je porte plainte le 20 septembre par là. Donc ça fait plus d'un mois que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Jamais mon avocat n'a été appelé, jamais moi-même pour une quelconque audition au niveau du parquet. Plus d'un mois. Il y a une justice à deux vitesses, c'est clair. Une justice pour ceux qui sont au pouvoir, avec Félix Tshisekedi en tête. Et il y a une autre justice pour nous, les opposants. Et maintenant, le dossier se trouve dans quel niveau? Mais c'est au niveau du parquet. Il faut poser la question au parquet général, que la cour d'appel de Gombe. En ce qui concerne Moukébaï, le parquet agit avec célérité. J'ai été invité, j'ai reçu l'invitation le 13. J'arrive le 16. Je suis présenté le même. Qu'est-ce que vous reprochez le parquet? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que moi, en ce qui me concerne, il y a eu célérité? Vous vous en rendez compte? Et devant le magistrat, les plaignants commet aussi un délit contre moi. D'ailleurs, le magistrat, s'il était indépendant, il aurait dû s'en saisir d'office. Il aurait dû, parce que c'était devant lui. Tout à fait. Non! C'était devant lui, il devait s'en saisir d'office. C'est ça. Ouais. Il ne l'a pas fait, tu peux comprendre toi-même. C'est-à-dire qu'elle est complice. Oui, tu peux comprendre toi-même. Mes avocats, par la suite, ont porté plainte contre Daniel Mwanateba. Et à ce jour, rien n'a fait. Plus d'un mois. Daniel Mwanateba n'a jamais été interpellé. Plus d'un mois. Et chose grave, je ne suis pas juriste, au juriste de vous expliquer ça. L'affaire est inscrite sous RI, registre d'information. Non, registre d'information, c'est quand il y a une dénonciation. Et on fait venir les suspects pour l'entendre et vérifier la dénonciation. Ici, ce n'est pas une dénonciation, c'est une plainte. Fragrance. Et les faits sont d'abord, c'est fragrance. C'est flagrant et les faits sont précis. Donc, il n'y a pas inscrit ça sous registre d'information. C'est sous RMP, registre du ministère public, directement. Vous vous rendez compte? C'est cela. Mais vous allez entendre le genre pérorer partout. Non, état des droits. Mais l'état des droits, c'est la justice. Hein?
L'état de droit signifie quoi? Si les gens ne comprennent pas ce que c'est. Conseiller... L'état de droit. Quel est le conseiller que les... tu peux prodiguer les nouvelles autorités? Je ne suis pas leur conseiller, Emmanuel. Non, quel est le conseil que... Non, je ne vais pas leur prodiguer le conseil, je suis un opposant. Oui, en tant qu'opposition, tu as un conseil. Non, je leur dis simplement que l'état de droit, s'ils ne le savent pas, je leur dis que l'état de droit signifie tous égaux devant la loi. Ok, merci. C'est ce que je leur dis. L'état de droit signifie tous égaux devant... Donc moi, Moukébaï, si tu me poses la question, je te réponds, Emmanuel, il n'y a pas d'état de droit en République démocratique du Congo. La preuve, elle est où? Moi, je suis traité avec célérité, envoyé à Makala, très vite. Et moi, je porte plainte, les bonhommes, sur qui librement. Et dossier de votre collègue Dolé Makambo, quelle est votre réaction? Bon, ça, j'ai déjà réagi, mon communiqué. Ça, là, c'est fait. Okay. J'ai déjà donné ma réaction. C'est okay. Vraiment clair. Clair, okay. Ma réaction. Je vous remercie. Ok. Diama, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Napoli Nanaya Diama, Gisèle Oumba, Nana Troublé, mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diama.